Psaume 19, à partir du verset 3. La nuit donne quoi? Connaissance. C'est-à-dire, c'est là qu'il y a le savoir. Et le jour en donne quoi? Instruction, c'est-à-dire, on exécute. Quand on parle d'instruction, on parle d'exécution. Quand on parle de connaissance, on parle d'information. Regardez très bien ces personnes. Lui là, c'est 2024. Lui là, c'est 2023. Lui là, c'est 2020. Regardez très bien. La Bible dit quoi? Le jour en donne instruction et la nuit en donne connaissance. Voilà 2021. Dans cette année-là, il y a stérilité, chômage, maladie. Quand tu travailles, on ne te paye pas. Fibrome, concubinage, pauvreté, divorce. Amen. Ça a été programmé par nos ennemis. Voilà 2021 qui lui a reçu de 2020. Pourquoi? Parce qu'à cette nuit-là, le 31 là, tu étais dans maquis. Fouka, fouka, coupé. Décalé. Et pendant cette nuit-là, tes ennemis spirituels ont programmé tout ce que je viens de citer. Le jour en instruit le jour et la nuit en donne connaissance à l'autre nuit. Ce que vous devez savoir, le jour ne commence pas le matin. On t'a enseigné à l'école primaire. On t'a enseigné que le jour commence à 6h. Et se termine quand? L'autre jour là-bas, 18h. À 6h et à 18h. Je te le dis, ils t'ont menti. C'est pourquoi tu échoues. Le jour commence la nuit et se termine le matin. Genèse, chapitre 1, verset 5. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le... Il y eut un quoi? C'est-à-dire une nuit et un matin. Ce fut le quoi? Le premier jour. On t'enseignait dans ton livre de géographie que le jour commence le matin pour terminer le soir. Dieu lui-même qui a créé, il dit, ça commence la nuit et ça se termine la journée. De vous deux, qui a raison? Écoute-moi, si tu es à cette nuit là-bas, c'est pour que ta mentalité, ce qu'on t'enseigne depuis ces années, tu seras choqué. Il y a beaucoup de mensonges. Amen. Et c'est pourquoi s'il n'y a pas de résultat, les sorciers, le monde des ténèbres, tout ce que l'organisation ténébreuse prépare, ça ne se fait pas dans la journée, ça se fait la nuit. Quelqu'un avec moi? Et la porte de l'année commence à 23h45 pour 45 minutes à minuit. Quand je te dis ça, tu me dis, papa, rencontre des bêtises. Je vais te développer ça. Le jour, en instruit un autre. La nuit, donne la connaissance. C'est-à-dire, l'information. En informatique, on va parler de base de données. La base de données est un logiciel, est un programme qui est comme un magasin qui referme en son sein toutes les informations nécessaires. Et ces informations-là sont données à l'utilisateur qui fait une requête ou qui fait une demande. Je crois que je l'ai développé de manière simple. Écoute-moi. À 23h45, le jour en donne instruction à l'autre jour. La nuit en donne connaissance à l'autre nuit. Et qu'est-ce qui va se passer? 2021, il fait comme ça. Au moment où on arrive à 23h, 2023 tend la main. Et au moment où on arrive à 23h45, jusqu'à minuit 30, quand il veut toucher l'épaule, lui commence à s'abaisser. Quand il tape, il transfère tout ce qu'il a reçu à la nouvelle année. Et puis lui, il meurt. Et la nouvelle année 2022 récupère. Quand l'année 2022 récupère, dans la base de données qu'il a reçu, c'est que Solange, fibrope, Solange, célibat, Solange, renvoi, rejet, humiliation, pauvreté, pleure. Et lui, il prend. Pourquoi? Parce qu'au même moment où la transaction se passait, tu n'étais pas dans un lieu prophétique et tu n'avais pas été enseigné pour changer les informations. Vous savez une chose, quand une femme accouche, toutes les femmes qui ont accouché, il y a un moment donné, avant que l'enfant sorte, la femme meurt. La femme meurt et l'enfant sort. Parce que le principe spirituel, c'est la mort qui enfante la vie. C'est pas la vie qui enfante la mort. C'est pourquoi Jésus est mort. Pour que toi et moi, nous soyons des vivants. Que nous soyons des conquérants. Quelqu'un comprend de parler? Amen. La femme meurt. Pour d'autres femmes, c'est 30 secondes. Pour d'autres femmes, c'est un tiers de seconde. Pour d'autres encore, c'est au moins 5 minutes ou bien 10 minutes. Deux fois même, les sages-femmes sont obligées de faire des massage cardiaque. Amen. Et puis après, la sage-femme dit au monsieur, on a eu chaud. Ta femme, il restait un peu. Elle allait rester. Ou quand c'est la maman qui vit, c'est l'enfant qui meurt. Et pour qu'il revienne à la vie, les sages-femmes sont obligées de taper son dos et ses fesses. Et puis faire L'information est transmise au moment où la femme est en train de mourir. Pour que la vie sorte, la maman meurt et elle renaît. Amen. C'est pourquoi toutes les femmes t'ont poussé. Quand l'enfant sort, tu sens une force de vie. Je n'ai jamais accouché. Mais je prêche par révélation. Les mamans, vous êtes là. Si c'est faux, dites ah bah, c'est pas vrai. 2021 a donné instruction à 2022. 2022 est levé. Voilà 2022. Et tu te rends compte qu'ils ont toujours prononcé bénédiction, succès. Mais tu constates que l'année qui est passée là, c'est la même chose avec ce qui se passe présentement. Ne me remarquez ça. Pourtant, on vous a béni. Mais vous avez l'impression que tout ce qu'ils ont prononcé sur vous là, ça n'a pas marché. Ce n'est pas que ça n'a pas marché. C'est parce que tu n'étais pas au lieu où il y avait la transaction spirituelle. Oh, cette année, par révélation, tu es ici. C'est pourquoi c'était. Éclaircis la vie d'une personne. Samaraba Antobos, l'équipe au chata. Parce que tu l'aimes, que tu l'aimes.
l'ange de Dieu vient changer ton histoire. Amen. Donne-moi le meilleur des amens de 2024. 2022 a reçu tout. Tu te rends compte que tout ce que tu ne voulais pas, c'est ce qui se passe. Et physiquement, tu constates que les années se ressemblent. Les mêmes années se ressemblent. Tu dis, ah, pourtant j'ai prié, j'ai jeûné. Mais il ne sait pas ce qui se passe. Amen. Quand 2022 s'en va, le jour en donne quoi? Instruction. Et la nuit en donne quoi? Connaissance. Pendant la nuit, le transfert des informations. Et nous sommes au 31 décembre 2022. Pour aller à 2023. Et il est en train de transférer. Il est en train de transférer les mêmes choses. Maladie, échec, balabe avec ton mari, problème au travail, renvoi. Au fur et à mesure qu'il donne, il commence à descendre et il transfère. Quand il donne connaissance et qu'il finit de transférer, il meurt. Et lui, c'est qui? 2023. Il enregistre quoi? Chômage, échec, maladie, humiliation. Et les années se reproduisent. Voilà 2023. On arrive au 1er décembre. L'année passée, il y avait un gars qui t'avait invité. C'est pourquoi j'ai dit, à partir du 20 décembre jusqu'au 5 janvier, il faut caler tous les gars, les pointeurs. C'est pas le moment où on va une invitation d'un gars. Amen. Quelqu'un dit, papa, j'ai fait comment? Je vais t'enseigner parce que tu as cru que le jour commence le matin et se termine le soir. Et moi, je t'enseigne pour te dire, le jour commence le soir et se termine le matin. Le 31 décembre est arrivé. Lui, il est en train de s'abaisser. Qu'est-ce qui se passe ici? La nouvelle année est en train de faire quoi? Sortir de son sommeil. La nouvelle année est en train de partir. Donc, il fait quoi? Il veut donner quoi? L'instruction. Au moment où il veut toucher, ta soeur te dit, il y a la nuit à bas, à Akafel, à l'apparence orthodoxe résurrection. Faut pas faire comme les autres années là. Faut venir. Tu n'as pas voulu venir, mais tu es là ce soir. Et c'est de toi qu'ils sont en train de parler. Nous sommes dans le dernier virage. 2023, nous sommes à 21h. Tu étais là en train de prier. Nous sommes à 23h. Ils sont sur le point de se toucher. Est-ce que tu es là? Il y a un ange de Dieu qui est venu mettre. Il dit, cette année, tu ne pourras pas transférer. Cette année, je pose l'isolant. Cette année, je pose l'isolant. Ce que j'ai mis là, on appelle ça un isolant. En physique, un isolant se définit comme une matière. Le plus souvent en plastique. Amen. Cette matière, elle peut être souple, mince ou rigide. Mais la particularité de l'isolant, c'est le fait d'empêcher le passage du courant électrique. Or, l'information de la base de données, elle est transmise sous la forme de signaux. Et ces informations-là sont sous la forme d'un courant électrique. Et dans le code informatique, on parle donc du code binaire. Il y a de 0 et 1 qui constituent toutes les autres choses. Quand on veut avoir 2, on fait 1 et 1. Suis-moi seulement. L'isolant est posé. Et cet isolant-là, c'est la main d'un ange. Je dis, parce que tu es là en ce 31 décembre et que tu es à la porte de 23h jusqu'à 7h, les transferts, les informations sataniques et démoniaques contenu dans ton sang, contenu dans ton nom, parce que tu es dans une famille à cause du nom que tu portes. Je dis, parce que tu es là présentement, le transfert n'aura pas lieu. Et la main de l'ange est là. Et 2024 sort nettoyé. C'est pourquoi j'annonce la vie d'une personne. Dieu changera ton histoire. Au nom de Jésus. Quelqu'un avec moi, nous partons. Parce que dans chaque chiffre qui est contenu, dans chaque nom, dégage une présence de Dieu. 2024, voilà ce qu'il est contenu. 2 plus 0 plus 2 plus 4, donne combien? 6 plus 7, donne combien? Le chiffre de 2024, c'est 8. Tout le monde voit? Venez maintenant. Ça donne quoi? Infini. 2024, c'est l'année de l'infini. Écoute-moi bien. L'infini dans tes projets. L'infini dans ton mariage. L'infini dans les affaires. L'infini dans ton entreprise. L'infini dans tout ce que tu fais. Écoute-moi bien. Tu as parlé. Je dis, 2024, tout ce que tu vas réaliser, ça va marcher. Je dis, l'infini dans ce que tu fais. L'infini dans tous les domaines. L'infini dans tes projets. L'infini dans la vie de tes enfants. Paroisse orthodoxe, résurrection de Bangerville, siège à Cafel, tous les vendredis de 19h à 21h et tous les dimanches de 15h à 19h avec le prêtre Abba Daniel La Révélation. Ou contactez-nous au plus 225 07 07 14 00 16 plus 225 01 40 51 40 00 WhatsApp plus 225 07 09 82 32 82. À Cafel, il y a Dieu dedans.